Et yo tout le monde, c'est Dixon Chichas, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super et c'est le cas de le dire la team parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le test et la présentation de la ATH T-Brass, mon modèle coup de cœur des nouveaux modèles, enfin des premiers modèles de chez Adalia ATH. Et pourquoi ça va? Pourquoi je suis heureux? Parce que je devais vous la présenter déjà au moment où je vous ai présenté celle-ci qui est la L-Steel de chez ATH. Je vous l'avais présenté, je vous avais dit on se retrouve semaine prochaine pour vous présenter celle-ci. Sauf qu'elle est tombée en rupture de stock et vous présenter un produit qui n'est pas en stock, c'est pas intéressant. Et voilà, c'est pas le premier truc qu'on va retenir. Le deuxième truc qu'on va retenir, c'est que vous savez qu'au mois de décembre, je présente un modèle et je vous la fais gagner. Et oui la team, je vous la fais gagner pour Noël et comment je suis heureux de vous faire gagner un modèle de ce style là. Et je remercie énormément ATH de me faire confiance et de pouvoir l'offrir parce que franchement 449 euros, c'est un beau cadeau. Franchement c'est un très très beau cadeau de Noël. Donc ça me fait tellement plaisir de vous offrir ça. Et la personne qui va avoir ça pour Noël, je pense qu'il est refait pour toute l'année 2020, clairement. Donc c'est mon modèle, c'est un de mes modèles coup de cœur de l'année 2019 parce que c'est juste une beauté pure qui nous ont pondu ATH et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Et franchement, ça me fait tellement plaisir de vous présenter ça. Je rappelle qu'il y aura un indice en fin de vidéo pour le code secret. Donc pour participer, ça va être simple, ce sera soit sur Instagram ou soit sur Facebook, le groupe Dixon Chicha. Tout simplement, vous êtes tout en description dans le premier commentaire YouTube qui vous résume tout. Il y a un code caché avec des lettres, des chiffres peut-être qui s'affichent au fur et à mesure de la vidéo. Dès que vous trouvez le code, vous allez sur Instagram ou sur le groupe Dixon, vous mettez je participe avec le code secret dans le bon ordre. Donc voilà, je rappelle un petit peu comment ça se passe. Passons maintenant à la présentation et ah là là, je suis encore ému de vous faire gagner ça. J'ai eu la réponse il y a à peu près une heure et voilà, c'est pour ça que je tourne cette vidéo maintenant parce que je devais déjà la sortir la semaine dernière, mais je me suis dit je peux pas vous présenter ça sans vous faire gagner ce modèle là. Je peux pas faire gagner un tuyau en présentant une chicha comme ça, c'est pas possible. Voilà, ce beau bébé que je vais vous faire gagner, franchement je suis grave heureux parce que on a de très beaux lots depuis le début de ce mois de décembre pour votre sapin de Noël. Donc pour la présentation de cette chicha là, elle coûte 449 euros, donc c'est un modèle cercle qui est très très cher. On a le tuyau qui est vendu à part à 69 euros, donc un modèle traditionnel avec deux bouts en laiton au niveau du bec et du 14-4 ici. C'est une chicha qui est juste pour moi qui est juste incroyable parce que déjà la couleur turquoise comme ça, avec le côté hors laiton, ça fait juste super super joli. Il y a trois couleurs disponibles, donc il y a celle-ci en bleu, il va y avoir donc celle-ci, c'est la Firuze. Après on va avoir la Onyx. La Onyx c'est un modèle un peu plus vert, un peu plus noir fumé au niveau du vase, toujours la colonne hors laiton. Et on a le modèle Yakut, et j'ai beaucoup hésité en prenant soit celle-ci ou la Yakut, parce que la Yakut elle est aussi très très belle, celle que vous avez pu voir en miniature, c'est avec le vase rouge, et c'est vrai que rouge avec la couleur or, ça aussi, ça passe très très bien, c'est très joli. Mais voilà, le turquoise, je kiffe, ça fait super joli, et surtout avec le manche, franchement, c'est juste magnifique. J'ai hâte de pouvoir fumer dessus l'été au bord d'une piscine, avec du soleil, parce que là, on n'a pas de soleil en ce moment, il fait très froid. Donc, présentation de cette chicha-là, on est sur un modèle de la marque ATH, donc ATH Adalia. Simplement, on est sur un modèle qui est juste ultra, ultra, ultra qualitatif. On a un vase en vase bohème de cristal. On a des gravures sur tout le long du vase. Donc, tous les modèles, tous les petites rainures comme ça que vous voyez, toute la décoration que vous voyez ici, bah déjà, c'est gravé dans le verre. C'est gravé et après, ils ont mis une couche de 24K or par-dessus, tout simplement pour que ça fasse ressortir les reliefs. Donc, rien que le vase, déjà, il est juste incroyable. C'est juste ouf, j'essaie de vous faire montrer des détails du vase parce que franchement quand on passe son doigt, on sent que c'est gravé, on sent que c'est pas du tout peint dessus, c'est vraiment gravé et après ils ont recouvert d'or dans les rainures et c'est franchement c'est juste magnifique. Donc on a ce vase là qui est en cristal de bohème, on va avoir du laiton massif au niveau de toutes les parties de la chicha, au niveau de la bague, au niveau des connecteurs, au niveau de la colonne, au niveau de l'assiette. Le plongeur par contre est en stainless steel bien sûr. Et au niveau du connecteur. Et franchement, je prends tellement de plaisir à vous présenter ce modèle-là. Parce que certes, c'est un modèle très cher. Mais c'est un modèle qui est juste magnifique. C'est une de mes préférées chicha traditionnelles. C'est, je kiffe. On a un diffuseur aussi qui est fourni avec. Je ne l'ai pas mis exprès parce que j'aime bien les tirages à remous. Et parce que
voilà, fumer avec un diffuseur dessus, ça serait pas bien quand même. Ça serait pas bien de ouf. Donc on a un petit diffuseur aussi qui est fourni avec pour les personnes qui veulent un tirage un peu plus fluide. C'est fourni bien sûr avec. Bon, je fume un petit peu dessus parce que je parle, mais autant on peut profiter de cette chicha. Donc je rappelle que cette chicha est vendue sans tuyau, donc ça on peut l'acheter à part. On a un connecteur par contre 14-4 qui est fourni avec, je vous mettrai une photo, qui est fourni avec, donc on peut mettre un silicone et un manche. Mais honnêtement, mettre un silicone avec un manche, ça fait le travail, mais un manche comme ça, pareil de la marque ATH, c'est beaucoup plus joli. Surtout là il est en modèle tissu, donc c'est le modèle qui est à 69€. Mais on a le modèle qui est aussi à 89€ avec le cuir, et le cuir est vraiment très bien travaillé, je vous mettrai aussi des photos. On a aussi beaucoup de coloris au niveau de ces manches-là pour s'adapter à toutes les chichas de ATH ou toutes les traditionnelles que vous pouvez avoir chez vous. Alors la chicha, elle nous est envoyée dans un carton comme ceci. Donc un carton avec écrit ATH ici, ATH, pas ATH, ATH, donc noir et rouge. On a ici les noms, etc. Le site, on a le vase du coup pour montrer que c'est ce vase-là. Le carton, ce qui est bien, c'est qu'il fait office aussi de boîte de transport parce que vous pouvez voir qu'il y a une petite poignée ici. Et en fait, en l'ouvrant, simplement, quand vous allez replier ces parties-là, eh ben, vous pourrez simplement faire comme ceci. Bon, je ne vais pas le faire en vidéo, mais vous pourrez faire comme ceci. Tac, il y a l'autre partie qui se rouvre. Et après, en refermant, en fait, eh ben, vous pourrez faire un petit carton de transport avec la poignée, et franchement c'est pas mal du tout. Sinon à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On va avoir plein de petits cartons, voilà, avec plein de petits trous pour ranger le colonne, le vase, l'assiette, etc., etc. On peut tout rentrer à l'intérieur, c'est fait pour. À l'intérieur, on va avoir un certificat d'authenticité, donc un certificat qui est assez sympa. Tac. Donc écrit en anglais, écrit en turc et écrit en allemand de mémoire. Donc hop, ici on a écrit à la main aussi ATH, Tibras, etc. avec le numéro de série, on a le couleur du vase et on a le modèle, donc la Firuze. Donc le petit certificat de qui fait plaisir parce que bon, pour un modèle à 450€, voilà, il faut bien montrer que c'est un petit peu luxueux quoi. Moi ce que je kiffe aussi cette chicha-là, parce que quand ils l'ont envoyé, ils m'ont proposé de me la graver et c'est écrit Dixon dessus et ça fait plaisir. D'abord, modèle déjà qui a un coup de cœur pour moi, parce que quand je l'ai vu au salon, quand j'ai vu le prix, j'ai fait ah ouais quand même. Mais quand on voit la conception, en fait, je vous mettrai une vidéo dans la description, quand on voit la conception qu'ils ont fait, c'est juste incroyable, parce que sur un modèle comme ça et même sur les autres modèles un peu en stainless steel, il y a du taf, il y a du travail. C'est pas vraiment un moule, etc. Ils ont moulé le vase, etc. C'est fait à la chaîne. C'est pas une colonne qui est fait à la chaîne. C'est vraiment, ils ont pris les meilleurs artisans de Turquie, parce que c'est un modèle et une marque turque. Je vois des drapeaux en commentaire. Je sais que là, vous allez vous mettre des drapeaux, les Turcs, en commentaire. Donc, on est vraiment sur un modèle qui est fabriqué à la main et 100% à la main. On a les meilleurs artisans de Turquie, donc les personnes qui travaillent le laiton, les personnes qui vont travailler le verre, les personnes qui vont travailler la gravure, etc., etc. Ils ont vraiment pris les meilleurs. Et ils ont fait ce modèle-là. C'est pour ça que la main-d'œuvre est un peu chère. Et surtout, le modèle reste un modèle qui est très luxueux et très qualitatif. C'est pas, ils se sont dit, on est à Dahlia, on est connu, notre tabac est connu mondialement, on va mettre des chichas à un prix exorbitant et ça va pas être justifié. Là, on est sur un modèle qui est cher, mais qui est très, très justifié parce que la qualité du modèle est juste incroyable, bien sûr. On a un vase qui est très épais, qui est bien fini. Il n'y a aucun point négatif à redire sur cette chicha-là parce que tout simplement, elle est juste incroyable. Les points positifs, je pourrais vous en dire. La fabrication, la qualité, les gravures, le vase qui est super épais. On a une close chamber ici pour vider complètement la fumée du vase. Au niveau du tirage, on est sur un tirage traditionnel.
pas avec des gros remous, donc c'est pas un tirage qui va faire des gros ratata où vraiment faut avoir les poumons pour, là vraiment la personne qui peut se l'offrir va avoir un tirage traditionnel, mais vraiment un tirage qui est sympa, qui est propre à fumer, c'est pas vraiment un tirage qui est lourd et qui fait mal aux poumons. On a un diffuseur qui est aussi fourni avec pour les personnes qui aiment pas les tirages à remous, qui veulent quand même une chicha de ce type là et aussi jolie que ça, vous pouvez bien sûr mettre le diffuseur. Moi je fume plus bien rattrapé. Je suis plus avec le diffuseur, avec les modèles un petit peu V2A et 4 et tout, mais pour le modèle traditionnel, c'est vrai que le diffuseur, je fume rarement dessus ou vraiment quand je regarde un film et j'ai pas envie que ça fasse du bruit, parce que c'est vrai que pour vraiment kiffer cette chicha là, il faut un tirage avec des remous parce que bah c'est dans le thème tout simplement. On a du coup, et ça qui est vraiment intéressant, on a un 14-4 ici qui est fourni avec, mais aussi, parce que pour parler du tuyau, on a deux morceaux en laiton ici qui rappellent du coup le laiton de la colonne. Ici, et bien simplement, ça va rentrer directement dedans. Et ça, c'est les premiers à avoir fait ça dans les tuyaux traditionnels. Parce que c'est vrai que dit traditionnel, dit bah on a un connecteur à joint. Et c'est assez chiant à chaque fois. Là, vraiment, bah ça rentre dedans. Comme les chichas en stainless steel classique. Là, ça rentre dedans et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc ici, on a une soupape aussi qui est très sympa avec plusieurs trous. Qui évite complètement la fumée du vase. J'en perds mes mots en fait. J'en perds mes mots d'habitude pour les tests. Je sais quoi dire, etc. Là, je sais même pas quoi dire que cette chicha là, à part que elle fait partie de mon top 3 des chichas 2019 et mon top 3 de mes chichas préférées parce qu'elle est juste mais sublime en fait. Et là encore, vous le voyez dans un décor un petit peu nuit, etc. en mode Noël, mais en plein jour ou en plein soleil, etc. avec un beau ciel bleu derrière. Pff, elle est juste incroyable. Je vous mettrai des petites photos que j'ai pu faire pendant des sessions, etc. dans mon salon. C'est juste magnifique en fait, je kiffe ce modèle là parce qu'il est juste incroyable. On a vraiment des détails de finition, des petites gravures ici, des gravures sur la bague. On a vraiment la petite touche jusqu'à la fin sur cette chaîne là. On n'a vraiment pas à se dire, ah ils auraient dû faire ça, ça aurait été un peu plus joli là, franchement c'est juste top. On a un système ici à vis au niveau de la bague, une close chamber, on a un plongeur en stainless steel donc pas en laiton. C'est aussi un peu mieux parce que vu que c'est souvent en contact avec de l'eau, ça évite un petit peu que ça fasse de la corrosion, etc. Enfin, en tout cas, qu'il y a plein de petites taches. Que le laiton, c'est un modèle, un métal qui est très qualitatif. C'est un métal qui est très qualitatif. Mais si on n'entretient pas, ça devient vite dégueulasse. Il faut vraiment l'entretenir, etc. avec des produits spéciaux et tout. Vraiment la frotter, la sublimer. Bref, on achète une chicha à 450€, c'est pas pour la laisser pourrir sur son meuble. Il faut vraiment, voilà, c'est comme une voiture. Hein. Faut la lustrer. Non, franchement, elle est incroyable cette chicha. Je kiffe de ouf. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que il y a quelqu'un d'entre vous qui va pouvoir repartir avec le 25 à 19h quand je ferai le tirage au sort et qui va pouvoir gagner ce modèle là. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et je remercie encore une fois à TH de me faire confiance et de pouvoir vous offrir ça parce que faire gagner un modèle comme ça. Faut y aller quoi, faut vraiment qu'ils aient confiance en la personne. Donc voilà team, on va se laisser là-dessus. Je vais vous donner un petit indice pour le code caché. Il y a 10 caractères à retrouver pour le code, le remettre dans l'ordre et sur Instagram ou sur Facebook tout simplement, le mettre en commentaire avec « Je participe ». Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire à la team, elle est juste incroyable, elle est juste sublime et je kiffe. Voilà, j'en oublie, je pourrais en dire tellement dessus, je pourrais passer 40 minutes à faire une vidéo, à vous expliquer la chose, à bégayer comme un enfant, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir un jouet avec moi et d'avoir les yeux comme un enfant en fait qui a son cadeau de Noël parce que franchement, je l'ai reçu, j'ai lancé une session dessus direct et j'ai fait « Ah ouais ». Ah ouais, c'est mon modèle coup de cœur. Vraiment, dans toutes les chichas que j'ai, la plus belle, ça reste celle-ci. Peut-être pas la plus qualitative en soi, et encore, elle pourrait concurrencer pas mal, mais niveau esthétique, ça déboîte. Après, il faut aimer ce côté traditionnel, mais c'est vrai qu'en décoration, c'est juste ouf en fait. Je pose ça dans mon salon, c'est juste incroyable, c'est juste magnifique, et à fumer dessus en faisant des photos, etc. Tu t'enjailles en fait. C'est même pas ta session, tu te dis que tu t'enjailles sur ta session parce qu'elle est bonne. C'est que tu t'enjailles parce que déjà, la beauté de la chicha, elle te donne le smile de ouf, tout simplement. Donc la team, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner en dessous de la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à participer à ce concours-là parce que gagner un modèle comme ça, ça se fera pas tous les jours. Et c'est un modèle vraiment d'exception et pff, voilà, c'est magnifique.
c'est juste incroyable. La team, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. On se retrouvera vendredi pour le tournoi de la meilleure chicha 2019 que vous avez voté sur Instagram. Donc n'hésitez pas, toute la semaine, il y a des votes en sondage sur Instagram. Donc venez sur Instagram en story, vous pourrez voter. Donc la team, je perds mes mots, je suis ému, clairement. J'ai l'impression d'en faire trop, mais voilà, je suis comme un enfant devant ce modèle-là. Voilà. Donc j'espère que je vous ai fait transmettre mon bonheur en fait de fumer cette chicha, de vous présenter cette chicha et surtout de vous la faire gagner parce que c'est incroyable. C'est juste ouf. C'est ouf de faire gagner ce modèle-là. La team, je vous laisse. Je vous embête pas plus. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un pouce bleu. Je me répète. Moi, j'étais encore quelques lattes. Et je vais finir ma session sur ce magnifique modèle. Incroyable. Allez, peace!